La Fondation Colas fait les beaux-arts. It's a big honor to have been chosen for this show. Donc c'est une exposition anniversaire pour les 20 ans de la Fondation Colas. Toute entreprise qui s'intéresse à l'art est une entreprise ouverte, j'ai un esprit ouvert. Une fondation exclusivement consacrée à la peinture. Finalement, c'est pas si courant et qu'on en a besoin en tant que jeune peintre français d'être soutenu et encouragé. Donc m'a sollicité pour faire un choix de 20 œuvres parmi les 280 de la collection, puisqu'il y a les 20 autres de la sélection de cette année qui sont aussi présentées. I think this is a very beautiful selection and it also takes place in a very nice location too. Le projet scénographique était très intéressant puisqu'il s'agissait de la mettre en place une série de containers en quelque sorte qui est l'objet par excellence de l'entreprise. Colas Foundation has arranged this at the Art Academy in the middle of Paris, and it's a very beautiful room, and they have chosen a really cool way to arrange the show. C'est mélanger l'ancien du bâtiment et faire une scénographie très moderne. C'est l'histoire qui rencontre le présent. Pour bon nombre d'entre nous, c'est rentrer aux Beaux-Arts par une autre porte, donc c'est sympa. On est vraiment dans deux approches différentes. Il y a vraiment une approche, évidemment, des professionnels qui voient la Fondation comme un vecteur de popularité, comme un vecteur de renommée du groupe. Et puis, les collaborateurs qui voient les œuvres comme des objets, mais dans lesquels ils vivent tous les jours. Et c'est un peu comme ça aussi que moi, j'ai axé mon choix des œuvres. C'est comment est-ce que j'arrive à vivre tous les jours avec cette œuvre dans le cadre du travail. Il s'agit là de constituer une collection. Une collection doit se constituer avec des choses de valeur, parce qu'une collection n'est pas faite pour faire plaisir dans les médias, elle est faite pour durer dans le temps, elle est faite pour être une image forte au-delà des décennies. Le thème général de Colas, c'est clair, c'est la route. C'est un beau sujet, les routes de l'imaginaire, parce que c'est vraiment ouvert le plus possible. Il n'y a pas tellement de sélection de génération, pas tellement de sélection de genre, de style. C'est vraiment un ensemble qui est intéressant, qui est le reflet de toute une aventure de la création picturale depuis 20 ans. Elle montre autant d'outils de pensée pour les gens quand ils pensent la route qu'il y a de peintres. Et de ce point de vue-là, ça crée un vocabulaire visuel très intéressant. Il y a une vraie diversité d'écriture. Et qu'on va être au plus près ou de la figure, de la représentation de la route, ou plus dans une métaphore. Je crois qu'on a à peu près 300 artistes, on la voit à 300 regards vraiment très différents. Je travaillais essentiellement sur le paysage et j'étais dans la contemplation. Et le fait de traiter de la route m'a amené à travailler la narration, en fait. Puisque tout d'un coup, une histoire peut se raconter à travers un élément, un motif qui va être la route. On a besoin de la route pour se rencontrer, pour repasser, pour tout. Je me suis interrogé non pas donc sur le métier de Colas directement, mais sur la finalité de ce métier, qui est un métier de liaison entre les hommes à travers le monde. L'idée, c'est un carrefour, c'est un point de rencontre, le croisement de tous les possibles. Les œuvres de la Fondation sont affichées dans les différents locaux du groupe Colas à travers le monde. J'aurais plaisir à imaginer comment réagirait quelqu'un face à ma toile à l'autre bout de la planète. C'est ça qui est positif, c'est l'ouverture d'esprit que ça te propose, de part et d'autre. Alors, les 20 ans de la Fondation Colas... 20 ans, ben, c'est un bel âge, ça veut dire qu'il y a une vraie permanence. Il y a une vraie volonté de la part de Colas de continuer un processus. Je dirais pertinence et fidélité,
par rapport à des objectifs posés dès le départ, c'est-à-dire le choix de la peinture.